Bonjour à tous. Allez, on reprend donc nos vidéos des problèmes. On va continuer sur les équipes à fabriquer. Et cette fois-ci, alors on va faire le vrai problème pour notre classe et pour un jeu que vous connaissez. Donc on veut jouer à poule, renard, vipère. On est 11. Et donc il y a 3 équipes. D'accord? Poule. On va prendre, allez, poule, renard en orange, vipère en jaune. Poule, renard, vipère. Donc vous voyez les trois couleurs correspondent aux trois équipes. On est 11. Il faut évidemment faire au maximum des équipes qui correspondent quelque chose qui soit égal. D'accord? Il faut que chacun ait une chance de gagner quand même. Donc et ben, ça va être à vous de fabriquer les équipes. En sachant que nous sommes 11, qu'il y a une équipe poule, une équipe renard, une équipe vipère, et qu'il faut évidemment que tout le monde joue, on ne laisse personne sur le bord, et il faut que bien les équipes soient de même niveau, au niveau du nombre, qui est le même nombre d'enfants dans les équipes. Donc c'est à vous de fabriquer ces équipes. Faites attention par rapport au dernier problème, il y a peut-être une petite chose qui est différente. Il faut essayer de trouver une solution à ça, d'accord? En sachant que, ben oui, c'est quand même bien que tout le monde joue. Quand on fait un jeu, vous n'aimez pas de rester sur le bord. D'ailleurs, on ne le fait jamais. Donc à vous, eh bien, comme d'habitude, pensez, lorsque vous faites votre dessin, à bien mettre les équipes ensemble, hein, pas mettre un point jaune, un point orange, un point bleu, un point jaune, un point orange, un point bleu, parce que sinon, quand on regarde votre dessin, on ne voit pas la solution. Alors, ce qui est bien, on sait que notre dessin, il est très bon. Quand je le regarde, très rapidement, je vois la solution, elle m'apparaît aux yeux. Donc, un dessin simple, et on essaye de voir la solution. Et comme d'habitude, une petite photo, vous m'envoyez, et je vous dis si ça marche ou pas. Allez, au boulot!